Ici, on est chez moi, à Caen, sur mon balcon. C'est ici que tout a commencé, pour moi, au niveau de la musique. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain horaire. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans l'histoire, deuxième artiste. Dis-moi, où t'es? Les gens me demandent ce que tu deviens. Ça fait des mois que j'en sais rien. En tête, Joseph Kamel. Cette émission, c'était très fort en émotion. Il y a eu des moments de rire. Le petit bonhomme en mousse qui s'est lancé du plongeoir. Des moments de larmes, mais à chaque fois, c'était super intense. Puisses-tu vivre à continuer? Puisses-tu aimer continuer? C'est vrai qu'on a un entourage qui nous dit souvent « Allez, donne tout, tu vas réussir, fais le maximum. » Et le fait d'avoir un artiste pareil qui nous dise qu'en fait on pouvait se foirer si on voulait. Continuer sans te perdre. Ça a tellement résonné en moi que c'est vrai que les larmes sont sorties tout de suite. Pardon pour ça, j'ai fait n'importe quoi. Pardon si je t'ai déçu. Et aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre avec une chanson qui s'appelle « Et alors ?». J'ai choisi cette chanson-là parce qu'elle parle de la peur qu'on a de ne pas être artiste. Et dans l'émission « Vie artiste », en finale, je trouvais ça justifié. Voilà.